Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser le CDK de AWS, alors le Cloud Development Kit, pour implémenter une fonction serverless, ce qui va nous permettre d'implémenter un cron job qui va envoyer des emails aux gens qui sont dans notre subscription. Alors, on commence par le commande CDK init. Ça va initialiser un projet TypeScript. CDK init language TypeScript. On peut aussi ajouter des autres langues. Et là, vous voyez que tout d'abord, le CDK ajouter les fichiers et les dossiers dont je vais avoir besoin. Donc, on va avoir une structure pour notre code qu'on va écrire, pardon. Et voilà, ça prend un peu de temps pour que mon laptop installe toutes les dépendances de NPM. Les dependencies, les packages de NPM. Alors, on va attendre un peu. Ok, parfait. On va tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord ce qu'on va faire, on va aller dans notre package .json et on va ajouter quelques dependencies, alors que les packages dont on va avoir besoin, on commence par le AWS Events. Ça va nous permettre ça va nous alerter dès que les conditions qu'on veut avoir sont fournies. Par exemple, dès qu'il y a le lundi 10 heures du matin, ça c'est le module qu'on va nous alerter. Et puis on va avoir les targets, ce sont des cibles. Par exemple, on veut dire que quand il est lundi 10 heures du matin, alerter ma fonction de lambda, par exemple, ma fonction de lambda. Et puis on va avoir SNS, Simple Notification Service, pour envoyer des SMS ou des emails. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et puis après ça, on va avoir des subscriptions. Alors SNS subscription, ça va servir pour qu'on puisse envoyer des SMS et des emails et tout ce genre de trucs. Voilà. Ça doit être ça. Et puis, on va aller dans notre stack, CDK stack. Vous voyez, on peut ajouter les dépendances, les packages. Alors, les packages qu'on a ajouté, qu'on vient d'ajouter dans notre package JSON. Premièrement, je vais ajouter peut-être un petit second les events. Et puis, alors ça doit être clair parce que vous allez avoir besoin d'avoir des noms pour les packages que vous importez. Et je vais installer aussi en parallèlement, je vais installer les packages que j'ai ajoutés dans notre package JSON. Et puis je vais avoir les targets, logiquement. Après ça, SNS. Et aussi, on va avoir le subscription aussi. SNS subscription. Voilà.
Parfait. Je crois que j'ai pas écrit correctement. Il y a un faute d'orthographe ou quelque chose comme ça. Pour events. Qu'est-ce qui est le problème? Wow. C'est un petit peu pas trop vasé, c'est d'accord. AWS Events. Je crois que je vais l'importer de nouveau parce que je crois que j'avais pas de intelligence alors comment dire events voilà ça c'est bon on va partir voilà donc on va commencer avec les trucs qu'on va faire. Donc, alors je vais séparer les parties du code pour que ça soit clair. Set rule for the Chrome expression. Ça, c'est pour qu'on spécifie les règles pour que notre Chrome job soit être pour que notre Chrome job se commence. Et puis le logique. Qu'est-ce qu'on va faire après que les règles sont, les conditions sont fournies, par exemple, après que on a lundi 10 h, par exemple. Vous voyez, const rule, new event.rule, et puis ça, c'est le ID pour notre construct de CDK. Et puis le schedule, c'est que c'est comme fréquemment notre fonction doit être appelée. Vous avez le cron expression rate, mais je vais opter pour expression et puis spécifier les trucs dans notre parenthèse, par exemple, dans le expression même. Vous voyez que j'écris rate et pas le Chrome, c'est pas parce que je vous ai menti, mais c'est parce que c'est bien beaucoup plus simple quand vous utilisez le rate, parce que vous voyez, si vous voulez envoyer un truc, si vous voulez faire un truc chaque minute, chaque jour, chaque mois, ça c'est plus simple et je vous conseille d'opter pour le plus simple. Vous voyez, wait 1 minute. Si j'écris, si je veux dire 2, je veux dire minutes. Wait 2 minutes. Vous pouvez aussi utiliser jour, heure, hour, des autres trucs. Hein. Ça, c'est. Ça, vous pouvez aussi essayer des trucs avec ça. Days, voilà, pour le jour. Minutes, voilà. Et après ça, on va voir le cron. Ça, c'est ça pour les trucs qui sont plus compliqués. Parce que, par exemple, vous voulez dire lundi soir. Vous avez beaucoup de costes. C'est vraiment costé. Vous pouvez le customiser comme vous voulez. D'abord, ça, c'est le minute 30. 39 minutes, puis heure, 18 h 30, puis je crois que c'est l'an, mois, jour, Monday, Friday, je vais écrire, pardon, et puis ça c'est la structure dont vous allez avoir besoin pour spécifier un cron job. Et ça, c'est pas vraiment spécifique pour AWS, mais plutôt pour même si vous écrivez quelque chose en Spring Boot, vous allez avoir besoin de même construct. Et puis, comme je vous ai dit, je vais opter pour Rate parce que c'est plus simple. Et je vais juste envoyer un email chaque minute, chaque jour.
Pour moi, ça va faire l'affaire. Et puis, je vais spécifier le topic pour mon Simple Notification Service. Voilà, spécifier le ID. Ça doit être unique pour le namespace où vous êtes. Je vais juste spécifier le display name pour le topic, pour le SNS topic. Voilà. Et puis, je vais ajouter un subscription. Si vous voulez, on va ajouter des emails ou des numéros de téléphone pour envoyer des SMS. Ça c'est où vous spécifiez cela. Comme vous voyez, il y a beaucoup de trucs que vous pouvez utiliser. URL, SQS, SMS, Lambda. Il y a vraiment, hein, dans cette vidéo, vraiment, c'est ce que j'ai spécifié, c'est vraiment de base. Vous pouvez l'utiliser pour faire vraiment des trucs compliqués. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, je crois que je vais mettre tout ensemble. Vous allez avoir, vous avez la partie où vous spécifiez les conditions, et vous avez ce que doit être passé. Et là, vous ajoutez comme je vous ai dit, les targets, les cibles pour votre topic. Vous pouvez ajouter des lambda, des SNS, des autres SNS, tous les trucs comme ça. Voilà. Je crois que voilà, ça y est. Et pour que vous puissiez déployer CDK, vous allez avoir besoin. Vous allez devoir incrémenter cette ligne. Ce que cette ligne fait, c'est aller dans votre AWS config et prendre tous les trucs, tous vos credentials et déployer dans votre région de préférence et avec votre account ID. Et c'est vraiment quelque chose que vous devriez faire. Vous devriez pas vraiment faire ajouter les accounts et les clés de secret ici. Donc, voilà. Et vous voyez, d'abord, j'ai fait un npm run pour compiler mon TypeScript à JavaScript. Et puis, je fais un CDK synth. Synthesizing, ça veut dire que je vais avoir mon CloudFormation. Voilà. Donc je crois que je vais arrêter là pour que cette vidéo n'est pas vraiment trop longue. Vous pouvez aussi faire d'autres trucs, par exemple CDK Destroy, pour que si vous ajoutez ça, vous allez avoir pas vraiment, vous allez détruire, pardon, détruire.